L'hyperactivité est une maladie. C'est une question qui me semble vraiment importante puisque elle est souvent présentée comme une maladie, l'hyperactivité, alors que, à mon sens, c'est ce qu'on appelle un syndrome. C'est-à-dire, c'est un ensemble de symptômes que l'on retrouve dans un même tableau. Et quand on retrouve cet ensemble de symptômes, on parle de TDAH, d'hyperactivité, d'enfants hyperkinétiques. Voilà, il y a différentes dénominations comme ça qui circulent. C'est un tableau qui est relativement rare finalement, mais qui existe, qu'il faut pouvoir diagnostiquer. Mais il y a peut-être une tendance à trop rapidement mettre ce diagnostic dans toutes sortes de situations où l'on retrouve certains éléments de ce trouble, de ce syndrome, mais où l'ensemble des symptômes ne sont pas présents et où donc on ne peut pas à proprement parler donc de TDAH ou d'hyperkinétisme.